this is the very first premier exhibition of Beatrice Casanova in London. We're very privileged to have her exhibition after Paris Show. That was very, very successful, and this is the second exhibition in London. And the images of her works very much focus on their symbolic expression of Aboriginal art, which was she was influenced by. Can you tell me more about her central theme of her painting, please? For Beatrice, toute sa peinture, c'est ce qu'elle a en elle. C'est vraiment ce qu'elle ressent, c'est son pays, c'est ce qu'elle a appris depuis des années, c'est son cœur. Sa peinture, c'est son cœur, c'est son ventre. Comme on dit en France, c'est ses tripes, ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Ça se voit, il y a plein de générosité, plein de force dans sa peinture. C'est ça. Tout ce qui ressort d'elle, c'est sa beauté, sa bonté et toute sa force. Tout est là. Also, she studied in Florence. She was trained as an artist in Florence. Can you tell me a little bit about her profile as an artist? Elle était à Florence. Elle a travaillé dans une école, une grande école, l'école Martenot. C'est une façon de travailler, d'apprendre la peinture et d'autres arts aussi, ce qui l'a énormément enrichi. Mais l'artiste était là à la base. Béatrice est une artiste depuis qu'elle est toute petite. Et l'école a simplement servi à la mettre sur une voie. Et de là, ça lui a permis de partir dans plein... Tous les horizons que vous avez là ce soir sont différents. Et cette force qui est toujours là derrière, c'est une grande artiste. I think it's the first time I'm seeing this artist, and I think it's a really nice. I love the colors. I think there's a good, there's a strong personality in the pictures. I think the artist is playing well with the deepness inside of the canvas and the texture and the colors as well. Really, really enjoying it this evening. Loving it.